Bonjour, je m'appelle Mélanie Mantel. Je suis la DRH de la filiale française d'un groupe qui s'appelle Hoist Finance, qui est un groupe suédois. J'ai choisi de faire la formation Leadership de transformation de l'EDEC parce que les transformations sont vraiment des enjeux que j'accompagne au quotidien depuis plus de 20 ans que je fais ce métier de ressources humaines. M'outiller, rencontrer des gens qui vivent le même genre de situation, aller chercher avec les intervenants de l'EDEC des vécu dans d'autres entreprises avec d'autres dirigeants, c'était important pour moi pour m'inspirer et m'outiller et structurer ma démarche d'accompagnement des transformations. Ce que je retiens de cette formation, c'est plusieurs choses. La première, c'est que par leurs expériences, les intervenants nous ont apporté, par leurs expériences et leurs expérimentations d'ailleurs, ils nous ont apporté beaucoup d'outils très pragmatiques. C'est vraiment, voilà ce qui s'est passé dans la vraie vie, voilà la modélisation de ce qui s'est passé dans la vraie vie dans différentes entreprises. Et du coup, c'est pour moi, dans mon métier, des vrais outils pratiques, transposables à la réalité dans laquelle je suis. À titre personnel, c'est aussi beaucoup de prise de conscience. Finalement, ce qui est intéressant dans cette formation, c'est qu'il y a autant de la prise de conscience professionnelle que de la prise de conscience personnelle sur notre chemin de vie. La dernière chose, c'est que le groupe, grâce aux intervenants, grâce aux méthodes qui sont utilisées, prend vraiment une vie de groupe, de collectif fort qui est hyper enthousiasmante, motivante, stimulante et drôle. On a passé aussi beaucoup de bons moments. Bref, c'est une formation qui m'a énormément apporté, tant humainement que professionnellement et j'allais dire techniquement, sous l'angle des outils et de la structuration de la méthode.